Nous, c'est Mathias et Eva, et aujourd'hui on t'emmène découvrir Athènes, la capitale de la Grèce. Je pense pas qu'on ait vraiment le droit d'être là. Hein. On se met là. On est où, Mathias? On est en Grèce. On a recoupé les Phénias. On a pris l'option de taxi pour aller à l'hôtel. Sometimes you can send Yassas at the time to come, mm-hmm. and Yassas at the time to leave. It's okay. It's same. It's I think it's more simple for you. Okay, Yassas. The big one. Athens. Oh. Notre chambre est dire. Oh, y a gars, va falloir faire des bébés. Mais non. On t'emmène avec nous aujourd'hui pour une visite d'Athènes. Et on a deux petites missions. Moi, il faut que je me trouve des petites chaussures d'été assez fines. Et toi, c'est... Des trucs pour me couper le matin. Voilà. Donc on va essayer de trouver tout ça. C'est parti. Bon là on sort du marché et franchement c'était intéressant à voir, le poisson était magnifique mais la viande c'était beau. La viande c'était bizarre par contre parce que... Il y a toutes les têtes en fait. Ouais, il y a toutes les têtes, il la présente de telle manière à ce que la langue elle sorte, on dirait que tu vois la peur de l'animal avant de mourir. On prend du recul par rapport à la viande. Big Bazaar, ça porte bien son nom. J'adore, j'ai plein de trucs maintenant. Alors là, pour lire ça, on n'a pas le bon courage. Oh là là là. Bon, là, on s'est trouvé une petite brocante. Chacun trouve son bonheur. C'est assez sympa. C'est plein de vieilleries. Des passages secrets à l'intérieur. C'est un étable d'origine. On sait même pas si on a le droit de passer par là. Ça passe juste. Je pense pas qu'on ait vraiment le droit d'être là. Hein. On est arrivé dans une chambre. Oui, il y a la chambre qui est juste derrière, je crois qu'il faut qu'on y parte. Faut qu'on parte. Comme tu peux le voir, Athènes est une ville vivante, pleine de surprises, de magasins atypiques et on y fait des rencontres pas comme les autres. À ce jour, elle accueille environ 3 millions d'habitants d'origines et cultures différentes. Mais ça, on t'en parlera un peu plus tard. Si t'aimes Disney, t'as tous tes personnages. Surtout Peter Pan et Wendy. Surtout Peter Pan. Et là, boum, d'un coup, tu reviens à Athènes. Un peu comme ça. Le rêve. Et la réalité. Se parece que estamos en Colombia, ¿sí? Bon, je crois qu'on mérite une petite pause après avoir marché environ on a fait 2-3 km facile là, oui. Dans Athènes. Mais il fait chaud, quoi. Il fait très chaud, alors du coup, ça fait du bien de se prendre un petit mojito. Il est temps pour nous de t'expliquer d'où vient cette vie cosmopolite à Athènes. Et quoi de mieux que de le faire dans un bar cubain. Âgée de plus de 3000 ans, elle est l'une des plus anciennes villes du monde et a été un lieu stratégique au cœur de la culture méditerranéenne. C'est depuis qu'Athènes est devenue la capitale de la Grèce en 1834 que les différentes communautés que nous connaissons de nos jours ont pu se développer.
Là, on est à l'Agora. L'ancienne Agora, c'était le cœur vraiment de l'ancienne cité d'Athènes. C'est là où il y avait tous les commerces, les théâtres, tout ce qui était religieux. Et c'est hyper intéressant pour les moins de 25 ans, parce que dans toute la ville d'Athènes, c'est gratuit. T'as moins de 25 ans, tu montes ton ID, et c'est gratuit. C'est ça, partout. Tu vois, là, on a payé juste zéro. Zéro. Que dalle. On vient de monter dans un arbre, à ne pas reproduire chez vous, ça peut être dangereux. Mais on a trouvé une petite église qui a l'air assez sympathique. On vous emmène tout de suite. Il est trop bien cet arbre. Hein, pour... Et là je m'écrase. Aujourd'hui nous allons parler de l'ancienne Acropole, ancienne Agora pardon. Lors d'innombrables fouilles comme celle-ci, les archéologues ont trouvé et restauré des centaines de poteries peintes. Les Grecs peignaient principalement la vie quotidienne ou faisaient des hommages à leurs dieux. Ces dessins nous montrent que l'art avait déjà une grande importance à cette époque. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on soit hors saison ou si c'est à cause du Covid, mais il n'y a absolument personne. Pas une chance. Faux ! Alors le mieux pour rejoindre le musée de l'Acropole jusqu'au Parlement, parce que là on va au Parlement, c'est de passer par le jardin. Le jardin national, c'est magnifique, il y a plein d'oiseaux, il y a plein de plantes, c'est vraiment super. Et ça permet de ne pas passer en plein milieu des voitures. Bon, je peux trouver des chaussures. Parce que ça, c'est sympa pour la montagne et marcher, mais dans la ville, c'est un peu lourd, quoi. On part sur ça ? On part sur ça. Mission accomplie. Enfin le soir, sacrée journée. Aujourd'hui, nous avons découvert une ville qui regorge d'histoire et de secrets. Nous observons que le passé et le présent fusionnent en harmonie. En nous promenant, nous avons pu ressentir la richesse de l'histoire grecque, mais aussi la pauvreté d'une partie des citoyens qui s'est accroissée depuis le passage à l'euro et la crise économique. Αναδεικνύουμε τις νέες συνδικαλιστικές και πολιτικές προτεραιότητες. Ήταν en train de marcher seulement pour aller dans cette petite randonnée au bout de la montagne et en fait on est tombé dans une manifestation et apparemment ça serait parce que le gouvernement veut imposer 2 heures de plus de travail aux Grecs et gratuitement sans être rémunéré donc bon. Du coup ça râle. C'est que là, mais... On t'emmène en haut de la montagne. C'est superbe. La montée est vertigineuse. La montée se mérite mais la vue est tellement belle. On a un cadeau à l'arrivée. Là on est à 2 minutes de l'église. Le feu de Dieu. On a des concurrents, il faut réussir un partage. Elle est plus grosse la nôtre. Deuxième burrito du 16. Second round. On vient de descendre de l'église qu'on t'a montré juste à l'instant. Et là, on remonte à l'Acropole. C'est sportif, Athènes. Ça se mérite tout ça. Nous voilà enfin à la fameuse Acropole d'Athènes. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO,
elle est actuellement l'un des sites touristiques les plus visités du monde. Le Parthénon, âgé de 2500 ans, était le temple dédié à la déesse de la guerre et de la sagesse, Athéna. Comme tu peux le voir, le site est en pleine restauration à cause des dommages créés par le temps et quelques tremblements de terre. D'ici, on voit le jardin public qui est là, avec le Parlement. Ça, c'est l'église où on était ce matin. Par ici, t'as la Bibliothèque Nationale. Ensuite, là, en bas, t'as le quartier de Placa, avec notre hôtel qui est par là-bas. Il est au bout du quartier de Psyrie. Tout ça, c'est le quartier de Psyrie, là. Et nous, notre hôtel est au fond. Et ici, t'as l'ancienne Agora, avec le temple d'Héphaïstos qui est juste derrière. On est la caméra de la vérité, nous. Zéro fake. Du pur, de l'authentique, de la bonne. What can you tell us about the Acropolis? C'est impressionnant, ça a 2400 ans. Et c'est presque encore un petit peu sur pied. C'est gigantesque, quoi. Comment eux, ils ont pu faire ça avec les moyens du bord? Là, on est sur la colline de Philopapou. Et c'est vachement intéressant, à Athènes, t'as pas mal d'espace de verdure comme ça, ça te permet de sortir du vacarme un peu de la ville. Là on entend un peu, t'entends peut-être l'hélicoptère, on entend les sirènes souvent, mais t'es quand même dans la nature, c'est vachement agréable. Et demain on prend le ferry, là-bas, au Pirée. Du quartier Placa, mais nous on a plutôt envie de faire la pub pour le quartier Psyrie parce que c'est vraiment authentique, t'as beaucoup de petits restaurants et on dirait que c'est moins un trap à touristes en fait. Donc c'est vraiment très 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 mignon et on te le recommande si jamais un jour tu viens à Athènes. Le quartier Psyrie et pas Placa. Ouais, c'est parti pour 17 heures de ferry, mais avant, petit resto. Là, on est arrivé au Pirée, c'est le port principal d'Athènes. C'est là qu'on va prendre le bateau pour aller à Rhodes. Et c'est tellement différent. T'es toujours à Athènes, mais regarde ça. T'as une vue de folie. C'est superbe. T'es à côté de l'océan, enfin de la mer, pardon. Il fait frais, c'est tellement agréable. Un super restaurant en Pirée, c'est une parallèle de poissons mais en face de la mer, mais pas plus proche. On te mettra le nom dans la description. Notre bateau. Sauf que nous on n'a pas de cabine, on va dormir ici. C'est bien ici. Oh, c'est confortable. Et là, si je fais tomber l'appareil. Tu vas le chercher. Je vais le chercher, ouais. Ouais, je vais le chercher. Bon, on s'est trouvé un petit coin de paradis dans le bateau, voilà. Pas de cabine, mais on est bien, franchement. On a même caché la lumière avec le menu. Ouais, c'est parfait, on est pas mal. Il n'y a plus qu'à se mettre des bouchons dans les oreilles. Je pense que ça va être du pécumillé dans les oreilles. Et puis, essayer de dormir un petit peu. Il est 2h30 du mat, là, ça commence à piquer un peu, ouais. On est en train d'arriver
j'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi pour suivre notre aventure sur l'île de Rhodes. Laisse des commentaires si t'as des questions à nous poser par rapport au voyage, comment on a fait pour arriver jusqu'ici. Je crois qu'on va avoir beaucoup de travail là, vu le vent. Ça va kiter. Moi je ferai pas mal de windsurf, ça va être sympa. Ouais. N'hésite pas à aller voir notre ancienne vidéo sur le jeûne, ça peut t'intéresser. Sur ce, prends soin de toi et on te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao. Ma fa la fa ma fa la 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 fa